Mais retourne-toi, abruti! Bah voilà. Et d'abord. Attends, t'es sérieuse Lucie là? Pourquoi t'éteins? J'étais à fond dedans. Attends, d'abord, Alex, toi comment t'aurais réagi par rapport à ça? Je trouve toujours que c'est pas du tout réaliste dans les films, et moi je sais pas comment je réagirais face à ça. Tu parles de quoi là en fait? Imagine, on toque à la porte. Ok, c'est qui? On s'en fiche, tu vas ouvrir et... Attends, pourquoi ça sera à moi d'aller ouvrir en fait? En fait on est chez toi, donc c'est pas moi qui vais ouvrir la porte, ça se trouve c'est quelqu'un. Mais alors t'es plus proche, enfin t'as juste à te lever. Enfin, c'est pas vraiment ma maison, quoi, c'est celle de mes parents. Oh ta gueule, si ça toque, tu vas ouvrir. Ok, si tu veux, j'y vais. Donc, tu te lèves, tu vas vers la porte, tu l'ouvres, et là, personne. Enfin, excuse-moi, mais c'est un peu facile. À chaque fois qu'on va ouvrir une porte dans un film d'horreur, il n'y a jamais personne. C'est ultra cliché ton truc là. C'est ultra cliché, c'est peut-être ultra cliché, mais c'est ultra efficace. C'est à ce moment-là que tu serais flippé. Flippé, je pense pas. À la limite, un peu étonné, mais sinon, non. Bon, ok, et tu ferais quoi du coup? Bah, je refermerai la porte et je reviendrai ici. Mais je me dirais que j'ai mal entendu. Y'avait personne. Et du coup, là, je me retrouve tout seul. T'as disparu comme ça, d'un coup. Bah, ouais, c'est un truc de réalisateur. C'est pour que le spectateur se sente isolé et qu'il s'identifie à toi. Attends, ton truc c'était pas censé être la réalité là? Si, si, bien sûr. Bon bah du coup je me retrouve tout seul. Bah dans ce cas là je t'appelle. Lucie? T'es où? Putain, Lucie, elle fait des trucs chelous, la porte, là. C'est relou. Et là, tu flippes, hein? Moi, il y a eu juste un mec masqué avec une hache devant moi, mais t'inquiète, ça va encore, là. Ah ouais? Mais je déconne, bien sûr que je flippe, t'es con, quoi? C'est bon, parle pas comme ça, moi je dis ça pour toi, hein. Ok, désolé. C'est rien. Donc, tu fais quoi, du coup? Bah, moi là, je vois deux options. Première option, je me barre dehors et je claque la porte au nez. Bah, non, t'as fermé la porte à clé tout à l'heure. Après, tu te retournes, elle te saute dessus et tu te fais défoncer. Et bah, du coup, deuxième option. Donc, pourquoi elle me défonce? Bah, la personne en face de toi. Ouais. Bah, du coup, deuxième option, je monte dans ma chambre et je me planque. Ou pas? Je me plante d'un mec qui veut juste me buter, sans aucune explication. Comme dans presque tous les films d'horreur en fait. Et tu comptes rester là sans rien faire? Ça va ouais. Je cherche une solution là, mais c'est pas facile avec toi qui la remets toutes les 3 secondes. Ok mec, c'est bon. Mais grouille-toi parce que... Elle arrive. Ouais non, mauvaise idée. Ouais, pas ouf non plus ça. Hein.
Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui? Un flingue? T'es sérieuse ou quoi, là? Non seulement c'est dégueulasse et déloyal, mais en plus ça arrive jamais dans les films. Pourquoi il m'attaque pas avec sa hache, par exemple? Ou avec un truc un peu plus original, je sais pas, moi. Un truc plus original? Un flingue, c'est super efficace. Je serais vraiment trop con d'utiliser autre chose, excuse-moi. Enfin, ça serait largement... Enfin, attends, pourquoi tu serais vachement con? C'est pas possible en fait. Comment tu pouvais être dans le canapé avec moi et me parler et toquer à la porte en même temps? Ça, c'est Bobby. Déjà, pourquoi tu voudrais me tuer de base? On en parle de Caroline? Tu crois que j'ai pas vu son petit jeu? Elle essaie de prendre ma place de meilleure amie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu la laisses faire. Je croyais qu'on s'était dit qu'on était meilleure amie pour la vie. Putain, mais t'es sérieuse là? Mais si c'était que ça, t'aurais pu juste m'en parler en fait, au lieu d'inventer une histoire bidon. Mais détourne pas le sujet, pourquoi tu la laisses prendre ma place? Le titre de meilleure amie, ça veut plus rien dire pour toi. Mais pas du tout, enfin n'importe quoi, arrête. C'est juste, tu bossais, donc on est sortis à deux, voilà, c'est tout. Mais le reste du temps, je suis avec toi. T'es sûr? Mais bien sûr que oui, regarde, au mardi dernier, au bowling, j'ai invité Caro ou pas? Non, c'est vrai, mais... Bon, bah voilà, tu vois, qu'est-ce que tu as pas inventé dans ta tête, sérieux? On s'était dit meilleure amie pour la vie, et ben voilà, on s'y tient, y a pas de souci. Bon, et la prochaine fois que tu vas me parler d'un truc, t'inventes pas une histoire chelou comme ça, d'accord? Putain, t'es sérieuse? Ok.